La voie est libre. Qu'as-tu découvert ? Un texte kiltéan, ancestral. C'est très usé, presque illisible. On peut l'utiliser ? Je ne pense pas. Dommage. Certaines lettres sont gravées plus profondément. Quelle écriture étrange. On dirait une homélide. Une homélie de Kiltéan? Cela remonte à Molenkamp. Sans doute, avant la naissance d'Iocus. À l'époque, il y avait plus de sorcellerie. Il y avait plus de sorcellerie que de médecins. Qu'y a-t-il? Le cardinal va empêcher que l'héritage de Molenkamp, les grimoires, tombent en de mauvaises mains, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, douce amie. Laisser un tel pouvoir à un renégat comme Sydney serait de la folie. J'ai peur que Sydney n'ait déjà le grand grimoire. Oui, j'en doute. Mais si c'était le cas, nous ne serions plus ici. Le grand grimoire, le plus puissant des manuscrits maléfiques. Pour certains, il n'est qu'un livre, pour d'autres, c'est la clé de l'univers. Et pour toi ? Sydney ? Tu ne saurais point utiliser cette clé, n'est-ce pas ? Et toi, qu'en ferais-tu ? Tu ne sais qu'ensorceler et tromper ton prochain. Tes fidèles, puis le duc, tu duperais Dieu lui-même, si tu en étais capable. Tu dois confondre, ma chère. C'est ta religion qui mystifie ses adeptes. Le paradis n'existe pas plus au ciel que sur cette terre. Mais tu ne peux te permettre de penser ainsi, Samantha. Toute ta petite existence serait alors remise en cause. As-tu déjà imaginé ce que ton Dieu pouvait être ? Qui n'est peut-être qu'un démon déguisé ? Tais-toi ! L'hypocrisie est la plus enivrante des vertus, n'est-ce pas ? Ces paroles sont plus traîtres qu'une épée. La voix de son maître. On croirait entendre le cardinal. Ta vanité te perdra, Sydney. Tu n'es pas le seul à être érudit. Inutile, il a disparu. Quel démon ! Tu ne nous échapperas pas. Le grand grimoire. Et bonjour YouTube, officiellement je pense, hein, puisqu'on va reprendre à partir de là après cette cinématique. Super intéressant. Alors pour ceux qui découvrent peut-être en stream ou sur VOD le jeu, c'est avant tout une mise en scène incroyable. Je le répète assez souvent, mais vraiment ce que je trouve de formidable avec ce jeu, c'est cette réflexion sur les mises en scène, sur les visages des personnages et sur leurs expressions, alors qu'il y a 4 pixels qui se battent en duel. L'histoire est peut-être très cryptique et très diluée. On n'a pas beaucoup de cinématiques, mais quand on en a, je trouve qu'elles sont très impactantes. Et c'est ça qui fait tout le sel du jeu. Et ce qui me demande d'avancer, c'est vraiment de découvrir un petit peu plus de cette mise en scène, qui est largement pour moi supérieure à celle de Kojima, pour ne citer que celle qui est connue, en tout cas sur PS1. Il n'y a pas grand comparatif. En face, sur les caméras, sur les visages et sur... ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, on oublie aussi d'en parler, mais c'est important de montrer ce qu'on filme, mais c'est important aussi de montrer ce qu'on ne filme pas. Et je trouve que Vagrant Story le fait superbement bien. Donc écoutez, on continue, dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, je vous le montre. Ah, Ozu nous dit que c'est le début des problèmes, comme toujours depuis le début du jeu, finalement. Attends, il y a une porte ici. Et là, il y a un coffre, une arme incroyable. Oh non. Attends, il y a une arme. Tu me fais pas faire tout ça pour qu'il n'y ait pas d'arme. J'ai pris un risque. Mais attends, mais je suis déjà allé là. J'essaie de comprendre. Ah, je suis derrière le portail là ? Non.
Mais c'est pas le bon portail, il était doré. C'en est un autre. Ah, attends. Non, pas du tout. J'ai fait de la merde. Peut-être pas. Attention. Ah, par contre, l'arme fait du... fait des bons dégâts. Hein. Ah bah ça évidemment, I can't get you. Ah putain, on pourra jamais l'ouvrir, on ne pourra jamais avoir le cut quoi. Ok. Un crabe. Alors, il faudrait que j'utilise une arbalète. C'est pas la meilleure du monde, elle est en qualité fer quand même, donc ce qui est pas dégueu. Notez bien que le gars a chopé quand même pas mal d'informations. Merci Ozu évidemment de cet appel Discord qui m'a quand même bien aiguillé sur ce que je devais faire. Donc là, on va le rabougrir et après on l'infinise. Il a l'air inoffensif. Je le tape à zéro. Et je le tape à zéro, c'est terrible. Aïe. On peut choisir, hein, putain. Non, mais par contre, il y a à manger pour toute une famille. Hein. Bon. Oh, nickel. Nickel, ça tape fort. Hein. On va... à tout de même... l'analyser. Parce que là, j'avoue, je suis un peu chaud quand même. Je suis un peu chaud pour savoir... Oh non, mais... Le décapode... C'est un nom pour déboucher les toilettes, ça. Il faudrait que je l'attaque à air, si je veux bien faire. Et il faudrait que je l'attaque à blunt. Donc c'est-à-dire à l'assommage. Et piercing, c'est pas fou. Parce qu'on avait noté arbalète pour les dragons et les bêtes. Et ça m'avait l'air d'être une bête. Ben on va y aller à edge. Ah ben là, ça change tout. Je vois pas. En vrai, ça devrait passer si je fais deux bons renvois, c'est ok. Oh, superbe. Oh, quel régal. Mais là, je baisse pas en bête. En fait, c'est ça qui... je suis un peu rassuré. Ou ça tape à 1. En vrai, y a un bon goût, non? Okay. Ah merde, putain, ça tapait! Ça touchait, oh! La spirale, si on la renvoie, c'est gagné. Et autant dire que c'est donc perdu, l'inverse de gagné. Plus tu utilises une arme, plus elle fait des dégâts, et plus tu encaisses sur ton armure, et plus elle résiste à ce type d'ennemi, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est vraiment un truc comme ça d'apprentissage. Donc là, on se soigne. Parce que là, c'est un peu abusé. Faut au moins que je me réserve 100 PV. Je crois qu'au niveau risque, on est... correct. Donc, s'en vient. Oh, Daredevil, je connais la ref, c'est Marvel. Le bonus, est-ce que le bonus va être claqué au sol comme d'habitude? Mesdames et messieurs, nous allons avoir un de force, je dis pas non en vrai. La liaison de l'air à l'arme, eh bien, on va tout prendre, évidemment. Et c'est donc un nouveau boss de battu. Et en vrai, ça s'est pas trop mal passé. L'air de rien, ça s'est bien fait. Ça, j'avoue que le grinding qu'on a eu, mené d'une main de maître par Ozu qui a tenté de m'expliquer, je sais pas si j'ai tout compris, hein, mais en tout cas, je frappe plus fort. Le résultat est là, c'est déjà mieux.
Pourquoi il y a un crabe au beau milieu des catacombes d'un peuple ancien? Parce que c'est un très vieux crabe. Voyons. Mais parce que c'est l'inspiration d'un village français et on aime beaucoup les gros crabes quand on va à la... quand on va à la plage. Il n'y avait pas de dragon dans Notre-Dame. Notre-Dame a brûlé. Alors je ne serai pas le complotiste qui dira la chose, mais il n'y avait pas de dragon à Notre-Dame? Bizarre que ça ait brûlé. Hein? Informez-vous. Notre-Dame a brûlé.blogspot.com. N'hésitez pas à rejoindre mon blog de complotiste, d'informateur, de lanceur d'alerte, comme par hasard. C'est bizarre à cause d'une clope. Une clope, ok, ta théorie est intéressante, mais peut-être un dragon? Le dragon me paraît plus plausible. Attends, je peux apprendre mes grimoires, là? En fait, ça sert à rien de les avoir sur soi. Donc, autant laisser une place dans l'inventaire. Oh! Oh non, c'est le même système que Xenogears. Et c'est la même façon de le dire. Xenogears ne précise pas que quand tu augmentes une résistance, tu diminues la faiblesse opposée. Et là, c'est ce qui a l'air de se passer. Oui, tu résistes à la terre et tu résistes moins à l'air, par exemple. Alors oui, je sais pas pourquoi il est toujours de dos, mais quelle régalade. Ah, moins la régalade quand on s'amisse. Comment ça? Ok. Oh non, mais les morts vivants, les taper. J'allais dire comme dans du beurre, mais c'en est probablement. Au niveau de la résistance de la chair, c'est pas fou. Un plaisir pour les petits et les grands, mais pas pour les zombies. De la neige? Ah non, des lucioles? Tu parviens à l'ouvrir? Non, c'est bloqué. Alors? C'est un simple atelier. Tu parles du combat? Quelles sont nos pertes? Oh, nos pertes humaines! La ville est à nous, plus ou moins. Combien de morts? 3 ou 4 bataillons. C'est difficile à dire, nous en saurons plus à l'issue du combat. Les morts vivants seront plus nombreux avec le crépuscule. Ouais, je sais. Les revenants s'éveillent avec les étoiles. Tu déplores notre façon de combattre? Mais non, c'est juste que... Je ne m'attendais pas à une telle horreur. T'énerves ce jeu de toi, Samantha? Contrôle ton effroi. Avant qu'il ne s'empare de toi. Roméo. Pour repousser notre attaque, Milenkampf a dû faire appel à des forces maléfiques. Mais nul ne peut maîtriser de tels pouvoirs. La Mundi sera bientôt plongée dans le chaos. Débarrassons-nous de Sydney. Exactement, commandant Nissa. Mettons ce plan à exécution. Qu'est-ce qui te tourmente? Que cherche donc Sydney? Il invoque des forces qu'il ne peut contenir. Il remplit sa coupe de poison et le savoure comme une liqueur. Sydney est étranger à la logique. Ses actes insultent l'ordre des choses. L'ordre des choses? C'était lui, n'est-ce pas? Ce Rixbreaker parle à travers toi. La peste soit de lui. Tes symptômes me sont familiers. Voir et ressentir les pensées d'autrui, une espèce de clairvoyance. Chacun vit à son rythme et on peut s'approprier le rythme d'un autre. Tu n'es pas un Crimson Blade.
Tu es un adepte de Sydney ? Les vrais prophètes peuvent s'approprier n'importe quel rythme. Ce n'est pas encore ton cas. Mon nom est Rosencrantz. Je suis un risk breaker, moi aussi. Comment ? L'intendant le sait. Le saint m'a demandé de t'assister. Nous devons faire équipe. Tu n'es pas sans savoir qu'un risk breaker agit seul. De plus, on ne change point l'ordre de cours en mission. Pourtant, tu as besoin d'aide ? Tu ne sais rien de la Mundis, rien de Mühlenkampf ou de Sydney. Mais toi, si. Évidemment, tu es le seul à ne rien savoir. La Ligue, comme le Parlement, connaissent depuis longtemps l'existence des morts-vivants. Je t'écoute. Nous ne pensons pas que tu irais sur le champ, aller à Mundis. Tu vas avoir besoin d'une fine lame pour affronter les dangers qui t'attendent. Tu dis que la Ligue connaît la puissance des ténèbres ? C'est pour cela que je suis ici. Sais-tu que Léa Mundis est une source vive ? Une quoi ? Une force étrange, grandie en tout être qui a entrevu les ténèbres. Tu ne la vois point, ni la comprends, mais elle est en toi. Les ténèbres sont la clé de ton pouvoir, mais rares sont ceux qui les maîtrisent vraiment. Notre civilisation a su repousser le mal vers les zones inexploitées, mais la situation est différente à Léa Mundis. Ville qui a vu naître le mage Krilidan, ainsi que Osana Mühlenkampf, la sorcière ancestrale que beaucoup vénèrent comme une déesse. Il ne manque qu'une étincelle pour que la cité s'embrase. Je ne comprends pas. Cette cité est un volcan, mais en place de lave, elle regorge de cadavres. Ce sont les victimes du tremblement de terre. Le grand séisme d'il y a 25 ans. Tu vas devoir affronter ce nouveau cataclysme. Qu'est-ce qui me prouve que tu dis vrai, Rosencrantz ? Crois-moi, je ne dis que la vérité. Mais tu n'as aucune preuve. À toi de les chercher. Tu m'es déplaisant, Rosencrantz. Mais je ne souhaite pas me battre. Dans la forêt, suis les lucioles. Elles se rassemblent près des ténèbres. Joué d'une générosité incroyable. Sauf pour le système de combat, parce qu'on va pas se mentir. Alors, il est trop généreux, mais pas en explication. Ozu qui connaît le jeu sans doute par cœur, incroyable. Parce que autant j'arrive à me rappeler de 2-3 interactions que j'aurais fait dans chaque jeu, autant me rappeler au cas par cas de là où j'en suis, on serait bien incapable. On en est à 16 heures de jeu, ce qui va assez vite, l'air de rien. Le cirque mental. Est-ce qu'on va être dans un labyrinthe ? Ça sonnerait comme un labyrinthe, hein, en vrai. Il ne manque pas de courage. Ou peut-être est-ce de la folie. Ah, te voilà, Rosencrantz. Ça faisait longtemps, Grissom. Où est-il parti ? Dans la forêt. Tu comptes le suivre ? Ce ribaud a tué plusieurs de mes hommes. Je comprends. Mais méfie-toi. Ton ennemi n'est pas un simple mortel. Dieu est plus fort que tout. Plus fort que les ténèbres. Ah, ne commence pas, Rosencrantz. Rejoins Sydney et trouve la clé. C'est mon intention. Mais Sydney est un animal imprévisible. Un animal ? Oh, plus que ça, en fait. Insaisissable comme une anguille, fort comme un taureau, rusé comme un renard, et fort comme la pie. Et toi, Rosencrantz, tu es peureux comme un lièvre. Tu es présomptueux, les lièvres sont prudents. Tu vois bien que les ténèbres sont plus présents, sont plus pressants. Peut-être
Mais cet endroit est maudit. Il n'y a donc rien d'anormal. Tu es aveugle. Les forces se concentrent autour de nous. Que veux-tu dire ? Telle la lune, Sydney agit sur les courants maléfiques. Et cette vague qui grandit risque bien de nous emporter tous. Que veux-tu, Sydney ? Nul le sait. Suis les lucioles, Grissom. Elles-mêmes suivent les courants des ténèbres. Pauvre de lui. Oh non, putain, terrible, on va voir tous les bestiaux. Mais là où se concentrent les lucioles, pour l'instant, pas des masses, hein. En fait, on va être sur des sections comme ça tout le temps, j'ai l'impression. Alors moi, le problème que j'ai, c'est que les particules que vous voyez, qui sont visiblement les lucioles, ont l'air de partir dans toutes les directions. Attends, mais qu'est-ce que je fous là ? J'ai jump une étape ? Comment est-ce possible ? Ah, ça téléporte à un autre endroit. Donc en fait, la carte n'est pas forcément l'endroit où je dois aller. Incroyable, tu n'es plus dans les égouts. Ouais, mais on va y retourner, hein, t'inquiète. Je crois qu'on va y retourner bientôt. Donc là, je suis pas forcément... Ah oui, je suis revenu en arrière, ok. Ça va me casser la tête. Donc là, si je veux avancer, peut-être que ce chemin est le bon. Et peut-être pas. En fumer des lézards, quel plaisir. Hein. Ok. On peut aller tout droit. Alors ceci dit, vous savez quoi ? On va ignorer la bête. Elle nous ignore pas. Oh non, elle fait giga mal. Ah d'ailleurs, point pour ceux qui suivent notre JRPG et qui ont peut-être vu ce mystérieux clip qui disait que je devais tuer un enfant. Alors, je ne l'ai pas tué et je l'ai plus ou moins adopté. Voilà, si vous voulez suivre notre aventure jeu de rôle, l'enfant n'est pas mort et je suis parent. En fait, on devait la buter plusieurs fois, mais je m'y suis attaché quand même. Je sais pas, je me suis dit que moralement, c'était pas fou. Ah, on est dans un endroit qu'on a peut-être jamais vu. Donc là, j'ai rien vu. On peut aller là. C'était pas prévu. On va le rabougrir. Dans un premier temps. Le Terra Track... la Trackmania Cup. Non mais ça va, ce one shot, ne vous inquiétez pas. C'est un dragon, respecte-le. Alors... Je doute qu'il y ait une forme de réciprocité sur le respect. Je vais donc devoir entreprendre de le fumer. Moi, s'il me respecte, je le respecte. Il me laisse passer, c'est ok. Anticipation, je veux l'analyser. 70% de chance d'arriver à l'analyser. Je peux enchanter mon arme à air. Ça, c'est bien. Et Edge, c'est le bon choix. Ok. Ok, il y a un mood. Là, là, Ozu, s'il nous regardait, il serait fier de nous. S'il était encore parmi nous, il serait fier. Oh non, il me met la queue feintée. Il fait un premier tour et un deuxième. Mais là, en vrai, je pense le tomber, hein. Bon, vous ferez le clip quand je serai mort, évidemment. Putain, je le vois pas. Ça, je l'ai. C'est pas le premier qui essaie de me la mettre à l'envers, donc ça, je l'ai. Mais toi, en air, pas en terre sur l'arme ? Mais... Attends, y'a un problème de traduction ou je... Attends. J'ai mis celle-là. Aero Weapon. Renforce la vision d'air de... Ah non ! Regarde, je l'ai même pas l'autre. Y'a un problème de traduction, là, on est d'accord ? Bah, je tape à air. Donc en vrai, c'est bon. C'est les icônes qui sont inversées. Ou R, ou alors R, ils ont choisi de le représenter avec du marron. Par contre, ça veut dire que je me prends une sauce... Ah non, ok. Bon, techniquement... Non. Oh, le niveau de risque à 40, on l'avait pas vu. Non, pitié. J'avais pas vu.
ça devrait aller mieux. Pourquoi j'ai baissé que deux? Non, non, normalement ça passe. Ok. Est-ce que c'est suffisant? Un petit peu le Dark Souls des JRPG, hein, finalement. Ah, et toujours Daredevil. Sous-entendu, je suis aveugle. Eh bien, écoutez, je ne suis pas vexé, hein. Eh bien, voilà, un peu d'agilité pour ce bon aveugle. Le grimoire qui convient le sort Aero Armor. La potion de risque. Ah, qui réduit à 0. Et la clé pour le bronze. Bravo. Faudrait que je prenne les faiblesses, hein, techniquement. Mais le renvoi, c'est mon gameplay, hein, en vrai. Le vent a changé de sens. Cette secousse, c'est un signe. Phandos, l'encore, répondez-moi pour l'amour de Dieu. Suis les lucioles. Eh bien, pour l'instant, aucun boss ne nous a résisté, hein. Il est vraiment très cryptique, hein, ce jeu. Même là, et même Ozu, d'ailleurs, quand on en parlait sur Discord, des fois, je lui posais des questions, il disait « Oui, je crois, je sais pas. » Il y a vraiment même un truc de « Tu connais les règles du jeu, mais t'es pas sûr qu'elles s'appliquent tout le temps, en fait. » Là, par exemple, le grimoire, là, ça me rend fou, hein. Regarde. On est d'accord, hein. Renforce la liaison d'air de l'armure. Donc ça veut dire vert en haut et marron en bas. Ah non, mais en fait, c'est ça. L'air, ils ont choisi de le représenter par le marron et le vert... Ah, mais c'est un code couleur que je ne vois jamais. L'air, c'est marron pour ce jeu. Et le vert, c'est la terre parce que c'est l'herbe, j'imagine. Ça, c'est illégal, ça. Ça, il y a un code... Alors, en fait, il y a un code qui est mis en place. Là, il n'est pas respecté. Hein. Bah d'ailleurs, pour vous, quel team vous êtes ? Le soin, c'est rouge pour vous ou le... Parce que la barre de vie est généralement en rouge, donc le soin est signifié en rouge. Mais est-ce que pour vous, le soin, c'est rouge ou le soin, c'est vert? Bah, par exemple, dans Zelda, c'est rouge. Dans les jeux Zelda, les cœurs sont rouges, c'est normal. Si c'était vert, c'est bizarre. Donc du coup, le soin est rouge. Mais tu vas dans un Final Fantasy, ben, c'est vert. Et ta barre de vie est verte. Et il y a ce truc-là de... Des fois, le vert peut être le poison aussi. Le poison, tu vois, pour moi, c'est vert en vrai. Aussi, j'ai l'exemple de FF7, le poison c'est vert, c'est une altération d'état verte qu'on met sur ton perso. Mais en fait, le vert, je pense que c'est une altération, c'est un filtre qui est à la fois bénéfique et négatif selon ce qui se passe, quoi. Le violet pour le poison, ça je suis d'accord que ça marche bien. Puis violet, c'est la couleur de la corruption. Le violet, c'est la seule couleur qui est la plus rare dans la nature et du coup, c'est une couleur qui fait qui dénote énormément. C'est pour ça d'ailleurs que, sachez-le, il n'y a pas de drapeau avec la couleur violette. Mauve et violet, évidemment. Mais parce que c'était compliqué à obtenir avant, et c'est pour ça qu'il n'y a aucun, je crois, drapeau du monde avec du violet. En fait, d'ailleurs, un truc que je trouve dommage avec FF16, mais ça, c'est plus mon ressenti personnel, parce que c'est plus un parti pris de l'histoire, c'est que Shiva ne prête pas sa force à Jill, et Ifrit ne prête pas sa force à Clive. Dans FF14, ce sont des divinités ou ce sont des êtres un peu mystiques que l'on invoque. Et j'aime bien ce côté-là, invocation. Là, c'est plus... ils n'ont pas de volonté propre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans FF9, il y avait un peu cette notion de volonté. Dans FF16, c'est une coquille vide, c'est juste une enveloppe plus forte pour un personnage, mais en aucun cas, elle ne lui obéit ou désobéit. Il n'y a pas de lutte ou d'accord à avoir... Avec le... Bah c'est l'attaque des titans, littéralement.
ton personnage en pleine conscience de ce qu'il est, sauf à des rares moments, mais ça, c'est comme tout pareil. Et il n'y a pas de confrontation avec Ifrit qui dit « je te prête mes pouvoirs, mais en échange de machin, etc. » Encore une fois, ça n'apporte rien au jeu de ne pas le faire ou de le faire, mais j'aimais bien les questions que ça pouvait sous-entendre. Parce que c'est pas un émissaire d'Ifrit, il ne vient pas... En fait, c'est ça, c'est que les personnages sont vus en tant qu'émissaires de Shiva, de Ifrit, de Titan, mais un émissaire est sous-entendu prête la voix à Titan, à Ifrit, et en fait, ils ne prêtent pas leur voix, ils sont la voix d'Ifrit. Tu veux du Naruto ? Ben, le discours dans Naruto est vachement intéressant. Sur ce, avec Kurama et tout, y a vraiment un duel intérieur au sein des personnages. C'est peut-être un peu cliché, c'est peut-être déjà revu, mais le fait que ça soit zappé, grande citation d'Ifrit, tu possèdes Shiva. Mais moi, c'est... Tu sais que, Damien, peut-être toi aussi, mais le fait que dans FF8, il y ait Ifrit qui me réponde et qui soit au courant de Shiva, mais moi, ça crée un storytelling vraiment sympa. Ah, il y a de la mousse au sud de l'arbre. Vous êtes face au sud. Vous... Ah, mais j'ai appuyé sur une gâchette! J'ai pas compris le dialogue. Et voilà, le jeu est perdu. Et donc là, on a résolu le problème. Bravo. Pas du tout. On est où ? Bon, deux chemins qu'on n'a pas fait. Cet endroit-là, il nous mène à un endroit qu'on pourrait continuer d'explorer. Je suis OK. Et l'autre endroit... nous mène ah, pitié, on va aller à l'autre hein. Alors, pourquoi il y a un boss, pourquoi il y a un boss des anciens niveaux qui est là, parce que ça devient un mob. Ça veut peut-être dire que je suis dans la bonne direction. Ça veut dire putain je suis dans la bonne direction. Je suis dans la One Direction et ok. Heureusement, j'ai le bâton de l'eau. 72, 67, 47. Je vois rien. Ah, je l'ai eu. Sauvegarde. Oh. Ah mais non, mais c'est la malle. Ok. Est-ce qu'on arrive à sortir de la forêt là? Elle est petite. Mais ça fait 3 heures qu'on est dessus. Oh, mais pitié. Comme Xenogears, un jeu avec 4 angles de caméra qui te demande du platforming. Comment ça ? Ah ! Le mort-vivant, il est plus agile que moi ! Ça va, vous aimez voir le buisson se battre ? C'est infernal ici. Attendez 2 secondes. Oh, je vais en rêver de ces lézards. Je veux tous les détruire. Ils ont volé mes rêves. On est sur la bonne route. Mais à quel prix ? Rappelle que c'était évidemment un boss avant et maintenant c'est un random. Donc, ok. C'est là. Veux-tu donc mourir ? Moi aussi, je sais invoquer les forces maléfiques. Hercules-sama, Lon Sina. C'est tes inepties. Soldat de l'ombre, quitte ton repos, viens à moi, vaillant guerrier. C'est impossible. Parfaitement possible. Mais les ténèbres ne sont accessibles qu'aux puissants. Chaque créature a ses limites. N'aurais-tu pas su surestimer les tiennes, Sydney ? Soldat de l'ombre, quitte ton repos, viens à moi, vaillant guerrier ! Prête-moi ta force obscure, Zildana Samson ! Cette puissance, elle me traverse comme un souffle. Vous allez mourir.
Me dites pas que Sydney n'est pas avec moi non plus. Attends, mais il a l'air d'être avec moi, là. Non. Ah si, il me soigne. Oh oui, alors, pitié. J'aurais tendance à dire qu'une créature invoquée s'en va sans son invoqueur. Je vais arrêter le massacre. Blindage. Hein. Ah, il se met aussi sur lui. En vrai, j'ai qu'à laisser Sydney farmer. Hein. L'avantage, c'est que c'est un humain. Et les humains, j'ai plus de facilité à trouver où sont les patterns d'attaque. Que les bêtes et tout ça, où les mouvements sont plus imprévisibles. Je régène pas beaucoup en vie. Hein. Je suis slow. En fait, le temps que je vois le point d'exclamation, c'est déjà trop tard. Donc, en fait, deux boss. Trois boss? Attends. Ah oui, le crabe. Trois boss. Trop tôt, beaucoup trop tôt, mais... Sydney, je sais pas quoi en penser de ce personnage. Il est volontairement... En fait, même dans ses alliés, il a pas d'alliés. On va se blinder soi-même. Ah mais non, mais je suis con, il m'a mis le blindage. C'est littéralement ce qu'il vient de faire. Ça va rater, ça ne sert... En fait, j'aurais pu garder mes MP. Oh, ça va être terrible, mais c'est un combat de Pokémon, en fait. Ah, il me soigne aussi. Attends, j'avais moyen de le reflect. Trop drôle. Ok. Vaillant guerrier. Ah. Ce n'était que la moitié du problème. 78% de chance de l'analyser. Ça serait scandaleux que ça ne marche pas. 380... Résiste au feu, pas à l'air. Bizarrement, assez à light en vrai. Et aux armes perçantes, c'est pas fou pour lui, mais Edge, c'est ok quoi. Oh putain, slow, ça c'est gratuit. Ah, ça c'est gratuit aussi. Breath of Fire. Oh, Breath of Fire que je ne connais absolument pas, si ce n'est que par l'OST. Partie des jeux que je rêve d'un jour. Faire en stream. Mais le premier coup il passe. Ah oh. Oh, 6% de chance là par contre j'abuse un peu. Il va falloir que je farme des potions de risque. Oh putain, juste pour ça. Juste, je viens d'utiliser ma potion de risque qui me reset le risque à zéro en cas d'urgence. Et voilà, Daredevil, Aveugleman. Et attention, la roulette, mesdames et messieurs, qui va nous octroyer 2 d'agilité. Oh, 2 d'agilité, it's ok. Oh, belle bête. Alors, un grimoire que je ne prononcerai pas sur Twitch. Visiblement de... Enfin, un grimoire. Tu en peste, Risk Breaker. D'où vient cette puanteur humaine? Oh, t'as rencontré Rosencrantz? Il affirme que l'Amundi, c'est la source des ténèbres. Et à ton avis? Pour être honnête, je comprends peu de choses. Tu ne crois que ce que tu vois? Or, les ténèbres sont invisibles. Malgré cela, tu commences à y croire, n'est-ce pas? Et je dois aussi admettre que le grand tremblement de terre était... volontaire?
que quelqu'un l'a provoqué. En préparation de ce qui va se passer maintenant, c'est de la folie. Qui est responsable? Demande-leur. Demandez à qui? Aux sacrifiés, aux témoins. Tu m'impressionnes, Ashley. Tu es un vrai risk-breaker. Un assassin aveuglé. De quoi parles-tu? De ton passé? Non, ne recommence pas. Regarde enfin la vérité en face. Il reste de l'eau, papa? Prends un peu de mon vin, Marco. Ne bouge pas, je vais chercher de l'eau. Ne t'avise pas de saouler notre fils, à 5 ans quand même. Pourtant, le vin est un vrai nectar. Le nectar des fous, oui. Qu'est-ce que c'est? La vérité, Ashley. Mensonge, tu égares mes sens. Tu ne me crois pas? C'est ta mémoire qui te trompe. La Ligue a gravé ce mensonge dans ton esprit. C'est faux! Un vil mensonge! Un soldat prometteur perd sa femme et son enfant, il devint alors Risk Breaker. Mais la menterie, c'est celle que tu n'as jamais eu de famille. Mais le mensonge, c'est que tu n'as jamais eu de famille. En revanche, tu as réellement exterminé une famille innocente. La Ligue t'a simplement fait croire que c'était la tienne. Tué par de mystérieux pillards. Cesse cette mystification. Cette tragédie a fait de toi l'assassin parfait. Ta haine et ton désespoir ont rongé ton âme. Tu ne sais qu'obéir et tuer. Mais celui que tu devrais haïr, Ashley, c'est toi-même. Tu mens! Vraiment? Et tu crois aussi n'être qu'un simple humain? Ces pouvoirs que tu récupères au contact des ténèbres ne sont-ils pas la preuve que tu n'étais qu'un... un autre? Avant? Menteur! Qu'est-ce que la mémoire, Ashley? L'humain oublie la douleur. Il recrée le passé à son avantage. Le mensonge est le suc de la mémoire. La Ligue n'a fait qu'exaucer tes désirs. Effacer ton infamie. Ta culpabilité et te transformer en tueur sans état d'âme. Assez, Sidney, que veux-tu de moi? La vérité? Je veux que tu sois sincère avec toi-même. Je refuse ta vérité. Oh, ce n'est pas ma vérité. Toi aussi, tu commences à comprendre. Ces morts qui marchent, ces mystérieux pouvoirs, tout ça, c'est bien réel. Ta perception de la vérité est en train de changer. Ton passé aussi, tu dois le voir différemment. Tu peux voir le passé? Le voir, non. L'entendre, oui. L'entendre. Non, Sidney, attends. Tu veux la vérité? Alors, suis-moi, Ashley Riot. Eh bien, c'était giga intéressant. C'était trop trop cool. On a vu beaucoup de choses. Belle cinématique. Et enfin, le personnage de Sidney prend un peu plus d'épaisseur. Le personnage d'Ashley aussi prend plus d'épaisseur. On commence à comprendre où c'est que le jeu veut nous amener, genre quelle thématique le jeu veut nous amener. Bon, alors, je pense que vous l'avez vu YouTube, mais ça y est, on en a reparlé déjà aussi un petit peu.
Le jeu prend un ton plus intéressant dans la narration, donc on est sur la thématique des souvenirs et du personnage. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Thématique qu'on voit pas mal explorée dans le jeu Spec Ops The Line. La dissonance cognitive, en fait. J'ai l'impression qu'on va sur les thèmes de dissonance cognitive et de perception double de la réalité, donc ça va être très très intéressant. Et puis, bon, quel plaisir de cette narration. Je commence à prendre le système de combat et à l'apprendre et à voir où sont les bonnes stats. Alors, le système de forge, c'est pas encore ça. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous plaît, que l'aventure vous plaît. N'hésitez pas, hein, si vous avez des retours, évidemment, la section commentaires est là pour ça. Et puis, vous pouvez passer en live pour faire vos retours. Des bisous YouTube, bonne soirée, bonne nuit, à bientôt. Et d'ici la prochaine fois, évidemment, jouez bien.